tous, c'est Stolgrim. On se retrouve sur Rise of Empire. On est toujours sur le compte secondaire et sur la chaîne secondaire. Donc là, c'est mon château. Donc ma ferme. Et là, mon compte principal. Vous pouvez voir que j'ai un petit chapeau de légionnaire. Donc il augmente les PV de mes soldats, l'attaque de mes troupes et la vitesse de marche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ce week-end, il n'y a pas d'événement de meurtre. On est en compétition avec les autres royaumes. Donc j'ai choisi de la récolte aujourd'hui. Je crois que je vais être à 85 millions de points sur ma ferme encore. Donc dans cette vidéo, on va voir la technique ultime en KE que j'ai mise au point. Donc ça sera pour la première partie. Et dans la deuxième partie, on verra la vidéo d'un de mes membres. Donc il a fait un KE avec la technique que je vous avais montré dans la vidéo précédente pour pouvoir réussir son KE. Donc cette technique marche aussi bien, mais elle est plus risquée. Vous ne pouvez pas rester très longtemps à un endroit. Là, avec la technique que j'ai mis au point, on peut rester très longtemps. Le seul moment où il faut partir, c'est avant de se faire raser. Donc en gros, je vais expliquer. Donc je ne pourrais pas vous montrer directement, mais je vais quand même vous expliquer en détail comment faire cette technique. Donc en gros, donc là si je clique sur mon château, vous pouvez voir que je suis à 11 millions de puissance. Sauf que la semaine dernière, quand je suis parti faire mon KE, j'étais à 4,5 millions. Alors comment j'ai pu retrouver à 4,5 millions et retrouver toute ma puissance en l'espace de quelques jours? En gros, le problème quand vous faites un KE, c'est que tous vos réservistes qui sont dans le château, si vous faites attaquer, ils vont se faire péter aussi. Ça veut dire que vous allez avoir tous les réservistes qui vont être blessés et il faudra les guérir. Et vu que ça pouvait avoir un très grand nombre de soldats, vous ne pouvez pas tous les guérir, et donc il y a la plupart qui vont crever. Donc pour pallier à ce problème, j'ai trouvé une technique. Donc bien sûr, pour pouvoir la faire, il faut être déjà dans le rock, sinon on ne pourrait pas le faire. Mais en gros, le but, ça va être d'attaquer des tuiles avec ces soldats de niveau plus fort que vous pouvez prendre. Donc si par exemple, là je prends une tuile de niveau 10, donc avec ma ferme, donc moi, avec mon compte principal, je peux les prendre. Avec ma ferme, je peux pas. On voit qu'il y a marqué 100% de raid dommage. Donc, pour pouvoir prendre une tuile, il faut toujours avoir pris le niveau précédent. Donc, imaginons que vous ayez pris des tuiles 9 avec un peu de dégâts. La tuile 10, il y aura peut-être 47% de dégâts, quelque chose comme ça. Donc, il faudra, la veille d'un KE, attaquer des tuiles et envoyer tous vos soldats dans les camps de coalition. Donc moi j'ai dû envoyer, si je me rappelle bien, presque 1 million de soldats. Donc il m'a fallu quand même pas mal d'attaques pour réussir à tout vider mon château. Et donc j'attaquais les tuiles de niveau, qui était, je crois que j'attaquais les tuiles de niveau 12, là où j'avais presque 46% de dégâts. Et donc à chaque attaque, je perdais la moitié de mes soldats, ils partaient dans les camps de coalition. Sauf que dans les camps de coalition, il n'y a pas de limite de soldats à guérir. Vous envoyez 1 million de soldats, vous n'aurez pas de pertes. Et les frais pour pouvoir guérir les soldats sont beaucoup, beaucoup moins chers. Moi, par exemple, si je me rappelle bien, j'avais 1 million de soldats donc, à guérir. Ça m'a coûté environ 6 millions de blé. Et peut-être 1 million de fer et 1 million de pierre. Alors, ça peut sembler gros au début. Mais si, avec la technique que je vais vous expliquer, au final, vous pouvez directement récupérer vos ressources en pillant tous les châteaux lors d'un KE de royaume adverse et directement envoyer des soldats à guérir avec les ressources que vous avez pillées et continuer à piller et ouvrir vos coffres grâce à l'événement de kill. Donc en gros, une fois que vous aurez vidé votre château sur des tuiles de haut niveau, donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus de réservistes, hein, il faut vraiment que, allez, s'il reste 20 000 soldats dans votre château, c'est le grand maximum, il faut vraiment qu'il n'y ait plus personne. Donc ensuite, quand vous allez faire l'événement de kill, imaginons que, donc, que ça, que je veux attaquer cette ruche, d'accord? Donc je vais me téléporter ici, d'accord? Et ensuite, j'enverrai mes deux plus faibles légions récoltées. Donc tous mes soldats de la légion 3 et la légion 4 iront ici. Et mes deux légions principales, donc les plus fortes, je m'en servirai pour attaquer continuellement. Une fois que vous allez commencer à attaquer, vous allez peut-être faire une nouvelle de guerre. Il y a des châteaux qui vont se téléporter à côté de vous. Donc imaginons que ça c'est moi. Le château va se téléporter ici et va commencer à m'attaquer. Donc lui, il ne va pas avoir au début qui tue pas de soldats et qui ne fait pas de points. Donc il va essayer de vous raser. Donc vous pouvez soit l'attaquer si le niveau n'est pas très haut. Si le niveau est vraiment très haut, ne l'attaquez pas. Continuez d'attaquer les petits. Mais bien sûr, il faut faire attention que lorsque les deux légions principales rentrent, qu'elles ne se fassent pas attaquer à ce moment-là. Donc il faut toujours être très rapide et ne jamais avoir ces deux premières légions
dans le château. Sinon, quand vous allez recevoir l'attaque, vous allez perdre vos soldats. Donc vous attaquez, vous attaquez, vous attaquez. Vous recevez des attaques. Vous vérifiez quand même le niveau de votre château pour vérifier que vous n'allez pas vous faire mettre à zéro. Parce que bon, du coup, c'est moyen. Pensez aussi que quand avant de se faire attaquer, d'essayer de dépenser les ressources que vous avez volées. Une fois que vous allez que vous voyez que votre vie commence à descendre, téléportez-vous ailleurs. Donc au prochain, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, donc le prochain endroit de votre répertoire. Et là, vous allez voir que en fait, le joueur qui vous a attaqué vérifiera le nombre de points qu'il a fait et il verra qu'il a fait 0 points. Pourquoi ? Parce que le château était vide et qu'il n'a tué aucun soldat. Donc, la prochaine fois que vous allez faire des nouvelles de guerre, le château qui vous a attaqué ne viendra même pas vous attaquer parce que du coup, c'est pas intéressant pour lui. À part en récupérer les ressources que vous volez, il ne fera aucun point. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire des points pour l'événement de KE. Et du coup, à part si vraiment vous l'avez énervé, que vous avez attaqué ses potes, etc., il va peut-être essayer de vous chercher et vous continuer à vous éclater. Et moi, par exemple, avec cette technique, je me suis fait raser 2 fois. Et au final, ça m'a rien changé, quoi. Mon château, ouais, il était limité au niveau vie. Mais dès que j'attaquais, hop, je me faisais raser, je me retrouvais téléporté je sais pas où, j'avais perdu, on va dire, la moitié des ressources que j'avais volées, mais avec l'autre moitié, bam, je l'ai dépensé. Et j'ouvrais mes coffres, j'ai fait, si je me rappelle bien, presque 3 millions de meurtres dans une journée, juste avec cette technique. Et j'ai volé je sais pas combien de ressources et j'ai amélioré je sais pas combien de bâtiments. Donc c'est vraiment la technique ultime. Ça veut dire que vous faites des points, mais eux n'en font pas. Donc si tous vos coéquipiers jouent de la même façon, vos événements de KE, c'est les doigts dans le nez, quoi. Ça va être vraiment facile. Donc je vais répéter comment faire la technique. Donc le vendredi, vous attaquez les tuiles de haut niveau pour pouvoir vider tous vos châteaux. Donc moi, je prends un exemple. Dans mon château, j'ai des T7 et des T8. D'accord ? J'ai des archers T8. Et des archers T7, et de l'infanterie T8, et de l'infanterie T7. Donc, moi, je prenais ma première légion, ma deuxième légion, ma troisième légion, etc. Et je la remplissais de tous mes T7, et j'attaquais les tuiles. Donc, j'ai envoyé tous mes T7 dans le camp de coalition. Ensuite, j'ai envoyé tous mes cavaliers niveau 1 qui me servent pour la récolte, pareil, dans le camp de coalition. Ensuite, j'ai formé donc toutes mes légions au max de soldats, donc avec que des soldats T8, infanterie et archers. Et tous les réservistes qui restaient, pareil, j'ai re-attaqué des tuiles pour pouvoir envoyer tout le monde dans les camps de coalition. Donc, pourquoi mettre 2 légions en récolte? Parce que de pouvoir de jouer avec 4 légions en même temps, c'est quand même assez dur. Il se peut qu'à un moment, vous allez avoir une légion qui est à la maison, et là, vous recevez une attaque, et bim, du coup, même si vous avez désactivé les défenses, elles vont quand même prendre des dégâts. Donc au moins, vous savez que ces 2 légions sont là, et au moins, elle vous permettra de recomposer les légions lorsque vous avez un peu des pertes quand vous avez fait des attaques. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Et voilà, toujours pensez, quand vous mettez un endroit, hop, vous envoyez vos 2 dernières légions récoltées, et les 2 premières vont se servir à continuellement attaquer. Voilà, c'est pour ça. Voici donc cette technique ultime en KE. On va se quitter donc avec la vidéo d'un de mes membres qui a fait un KE, donc avec l'ancienne technique que je vous parlais, c'est-à-dire se téléporter, être très très rapide, donc un peu à la Mohamed Ali, piquer comme la guêpe et bouger comme un papillon. Donc ça marche aussi, ça permet aussi de ne pas vider ses soldats, etc. Mais par contre, voilà, si vous recevez une attaque, vous faites éclater, et par contre, de guérir les blessés dans les hôpitaux, là, ça coûte très très cher. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le prix de guérison qui sont dans les camps de coalition. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous dis à très bientôt et une bonne journée. Ok, alors, bonus, c'est bon. Top. Thank you.